Voilà, donc nous en sommes à 473 morts. Je pense que je peux compter sur au moins l'un ou l'une d'entre vous pour noter ce chiffre quelque part. Voilà, merci Roxor. Et une dernière petite chose avant de lancer le combat contre King Dice, il faut avertir le monde que nous allons affronter King Dice. Donc, je vais me mettre devant. Hey, bienvenue dans le magasin de Watto. J'ai ton œil, j'ai tout ce qu'il te faut. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti celle-là, tiens. Donc, King Dice, c'est ici, mais avant d'entrer dans le casino, on va faire un petit tweet pour hyper ceux qui ne sont pas encore sur le live. Laissez-moi 2 secondes. Alors, on va publier un petit tweet. Le monde 3 est terminé. On passe au boss rush de King Dice. Viens des... Vite. Hop, on tweet. Et voilà, c'est tweeté. Il est long, mais la longue... Oui, mais ça c'est sûr que c'est pas la longueur qui compte. Mais c'est un... vous allez très vite comprendre pourquoi. Allez, nous allons donc affronter King Dice dans All Bets Are Off. En gros, en langage casino, les jeux sont faits, rien ne va plus. Et vous remarquez qu'on peut seulement le faire en régular. C'est parti. Oh, attendez, nous avons du dialogue à lire. Je vais juste disparaître le temps de lire le dialogue. Eh, mais regardez-moi ça, vous avez réussi! Mais vous m'avez fait perdre un pari. Et pour ça, vous n'allez pas voir le patron tout de suite. D'abord, on va jouer à un petit jeu. Coucou, c'est moi. Au pire, The Black Nick, si tu veux, vous pouvez prévenir. Ok. Donc, voilà comment se présente le combat contre King Dice. Nous avons un jeu de roulette. Un jeu, un dé qui ne peut faire que 1, 2 ou 3. Et chaque case numérotée est un boss que nous allons devoir affronter. A chaque fois qu'on affronte un boss, la case, si on retombe dessus, on ne peut plus la réutiliser. Le but, c'est d'atteindre la case fin qui est juste là pour affronter King Dice lui-même. Les cases avec les... Alors les chiffres, ce sont nos chances de gagner. 18 contre 1, 12 contre 1, 8 contre 1, 6 contre 1, 18, 30 contre 1, 60 contre 1. Et chaque cœur nous donne un point de vie supplémentaire. Donc on va essayer de faire un 1. Ok, on a fait un 1, comme ça on a un quatrième point de vie. Et on n'est pas obligé de faire les 9, évidemment. On n'est pas obligé. Alors qu'est-ce qu'on affronte en boss numéro 1? Ok, ce sont des boissons bourrées. Okay. Wow! Wow! Ah oui, c'est violent. Ok, donc le martini balance des olives. Le whisky essaie de m'arroser. Ok, on en a eu un, je crois. C'est ça, safe, il se passe... c'est ça, safe, il se passe rien. C'est vraiment, on est tranquille. Ok, on en a 2 sur 3. Wow. Voilà, et vous voyez que le combat est très long. Parce que là, c'est... en fait, c'est le combat contre King Dice qui montre et pas le combat contre le boss. Ok, donc le cœur est passé à la case numéro 2. Donc on va essayer de viser, on va essayer de faire un 2. Merde, on fait un 3. Bon, bah qu'est-ce qui apparaît au 3? Qu'est-ce qui apparaît au 3? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le cigare, c'est pas de ça dont tu me parlais, Roxor, il y a quelque temps? Alcool est dangereux pour la santé. Mais tout à fait, Brian. Avec modération, toujours. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que fumer, c'est mal. C'est mauvais pour votre santé. Ne le faites pas. De cercle. Ok. Ok, c'est bien, on l'a eu. On l'a eu. Bon, par contre, on a perdu 2 points de vie, c'est pas génial. Ouais, c'est vrai qu'il a une forme un peu phallique. Bon, alors là, je vais essayer de faire 1 pour être safe. On va essayer de faire 1. Merde, j'en fais 3. Ah bah attends, The Black Nick, c'est de mon devoir de vous rappeler que certaines choses de la vie ne sont pas forcément bien. Alors qu'est-ce que c'est? Le lapin. Bon, et toi je te bourrine. Ok. D'accord. Alors on avait progressé un petit peu. Et je suis en train de me demander si le boomerang serait pas mieux que le tir en cloche. Vous savez quoi?
Si j'arrive à refaire, à essayer de faire un 3. Ok, on fait un 3, donc on retourne sur le cigare. Et on a un point de vie supplémentaire. Bon, le cigare, je comprends. Enfin, je sais pas si c'est aléatoire. Mais... Ouais, c'est... ok, 3 c'est le cigare. Donc, 1 c'est les boissons, 3 c'est le cigare, 5 c'est le lapin. Ça on, peut... ça on dirait pas, mais on peut commencer à prendre des infos. Ok, on balance 2, ça fait 2 tours. Et je peux changer. Je demande si le boomerang serait pas mieux contre, contre la plupart des boss ici. Merde. Ok. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis, Roxor. Ok, très bien. Très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, on va essayer de refaire un 1 pour atterrir sur le safe. Ok. Maintenant, on va essayer de faire 3. Allez, on va le démon gros. Ok. Qu'on gagne un point de vie supplémentaire. Et le numéro 6, qu'est-ce que c'est? 6 contre 1, ça doit pas être un boss très difficile. Si on a, si on a, si on a notre cote est à 6 contre 1. C'est... oh, d'accord, c'est un boss en avion. Ouais, vas-y, je vais le bourriner. Il balance des cadeaux. Alors par contre, les trucs qui passent au premier plan, c'est pas génial. Ok, super. Bon, par contre, un seul point de vie pour la suite, c'est pas génial. Mais bon, d'après ce que je vois, il faudrait qu'on fasse encore... Enfin, faut qu'on refasse un 1 et un 3. Un 1 et un 3. Ok, maintenant il faut qu'on refasse un 3. Ok, on prend le point de vie supplémentaire. Boss numéro 9, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le boss numéro 9? Ok, j'ai retenu deux paires, une paire ici, une paire là. Ok, tout va bien. Yom se brase égali. Ok, attends. Là et ici. Il est pas très compliqué le singe, je trouve. Ok, ici, là... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ok. Ok. Non, c'est pas les bons. C'est pas le même. C'est pas le même. MDHR, c'est là. Ok. Non, non, honnêtement, je l'ai jamais... J'ai jamais vu. En fait, je l'ai jamais fait moi-même. J'ai regardé des speedruns et des let's play du jeu. Après... Je veux dire, Joe, regarder des trucs, ça ne fait pas de toi un expert. Ok, celui-là, il est où? Là? Yes. Okay, hop, on va par ici. Et puis bon, après, après toutes les heures que j'ai passées sur le jeu, on devrait s'attendre à ce que je le connais, que j'arrive à maîtriser un minimum. Et re-Johan. Je veux pas mourir, monsieur le singe, STP. Ok, ok, très bien. Je sais où ils sont. Là. Et là. Oh, nice. L'esquive à la dernière... On n'a pas encore... On a ré... Ouais, et Ellie, 23, 33, 32 sur la chaîne, merci. Alors, j'ai réussi le train, ouais. Et là, on est... dans... On est en train de faire King Dice. Mais non, il a... ouais, c'est vrai que celui-là il est facile. Eh ben voilà, on l'a eu. Bon. Putain, on arrive déjà à la fin. Attends, 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 c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini parce qu'il y a un joli petit troll qui nous attend. Je veux dire, il y a un joli petit troll qui nous attend. Quoi qu'on fasse, il faut pas qu'on fasse deux. Faut pas qu'on fasse deux. Trois, un ou trois, je prends. Ok, trois. Hey, bro,
Salut mon gros, comment ça va? Est-ce que ça le touche? Allez. Ah dommage. Ok bon, on a fait la moitié du combat contre King Dice. Bien. Bon, on a vu, j'ai déjà vu deux boss que je veux revoir. Le 6 et le 9, je veux les revoir. Parce que c'est des boss super faciles. Le 9, je le reprends, il est facile. 2. Ça, on prend le point de vie supplémentaire. Le 1, je le veux pas. Le 3, me dérange pas. Le 2, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le 2? Des jetons. Ok, des jetons de poker. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ok, je prends l'esquive. On parie sur les cartes. Ouais, bah ça j'avais compris, mais c'est juste que je les ai mal timés. D'ailleurs, je suis en train de me demander, vu ce qu'on a, est-ce qu'il faudrait pas que je reprenne la parade automatique pour pas m'emmerder. Ok, ensuite ça fait quoi? C'est ça. Hop, très bien. Oh, les jetons de poker, il a l'air bidon pour l'instant. Ok, hop. Ah dommage, ça va. On est toujours à 3 points de vie, c'est pas mal. Ouais, le pari automatique, c'est qu'une fois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça permettrait de réussir la première pour nous mettre dans le timing pour les autres. Je dis que ce serait pas une mauvaise idée. Allez. Puis d'ailleurs, tant qu'on en a à faire de la prévention, je vous rappelle que les jeux d'argent, c'est dangereux aussi. C'est addictif. Donc, faites attention. Et il est toujours pas. On l'a toujours pas eu avec tout ce qu'il a pris. Eh ben, dis donc. Eh ben voilà. Je me disais aussi. Ok, donc le 2 est bidon, le 3 aussi. Bon, de toute façon, là, l'objectif c'est d'arriver sur la case safe. Donc, il faut qu'on fasse un 2. Yacht Life. Est-ce que quelqu'un. On a déjà fait le 5? Ok, 2. Est-ce que. On a tenté le 5 tout à l'heure, hein. Au pire, on va le faire. Ok. Et bon, voyons voir ce que c'est que le boss numéro 5. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, si, c'est le lapin! C'est le lapin. Hop. Bien. Ok, où est le côté safe? Hop! Ok, ouais, il fait un cercle incomplet. Ah merde, j'ai pas eu le réflexe de parer. Très bien. Ok. Dommage. Ouais, le lapin est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Très bien. Ok, super! Ouais, le lapin a deux attaques assez simples, c'est juste que la position des la position peut rendre le combat plus compliqué. Ok, on va faire un 2. Par contre, le cœur là, j'ai peut-être. Je sais pas. On va faire un 2. Merde, j'ai fait 1. Attends, le 6 c'était le cheval. Bon. Ok. 1 puis. Je peux tenter le 3 directement. Parce que le. Ok. Oh, d'accord. Moi, j'ai mal compté. Bon, bah, du coup, on a le point de vie. Le 8, c'est. On l'a fait le 8, je crois pas. Ok, la 8, c'est la boule de billard. Ok, qu'est-ce que tu fais? Non. Il vient de balancer un truc. Donc. Ah, bah oui. Forcément, le truc pour la craie pour la queue de billard. Bah, le but de ce boss, c'est pas compliqué. C'est un espèce de jeu de roulette. Et faut arriver à la case fin pour pouvoir affronter le boss proprement dit. Mais tu dois affronter des sous-boss entre temps. Ok, mais. Ouais. Bon. Soit. La boule de bière est pas compliquée. Ça récupère un point de vie. Ouh, le point de vie sur le 9, c'est bien ça.
c'est très très bien. Le 4, ce sont des dominos. Ah, et ça bouge, d'accord. D'accord, donc on est sur un espèce de tapis roulant. Oh, un des 20. Il y a un des 20, vas-y, je fais un des 20 pour l'initiative. Vas-y, dé d'initiative, les mecs. Oh nice, parade réflexe là. Mais il est bidon ce boss. Ok, donc 2, 4, 9 idéalement. Ok, 2, 4, 9. Je pouvais le finir. Ok. De toute façon, j'ai mon combo là maintenant. Moi, j'ai réussi à choper au moins un point de vie avec le 8. Ok, nice. Le cigare, on dirait, marche. Tu le mets le cigare arrivé. Homer, qu'est-ce que tu fais encore comme connerie, Homer? Ok, encore un 3. Excellent. Mais c'est vrai qu'avec la cendre et tout, ça faisait vraiment les cheveux de marche. Bien vu, Garis, bien vu. Ouais, j'ai été déconnecté du chat, c'est quoi cette vanne? Je fuckity fuck. Oh, nice! Ok. Ah. Bon, si tout va bien, on peut y être à 3 points de vie. Si tout va bien. Oui, il y en a d'autres, mais c'est juste que pour moi, le dash, c'est le plus utile de tous. Ok. T'as mangé des donuts, lol. Allez, encore un 2. Dans les autres, t'as 1 et 2 cœurs de plus. T'as une parade automatique. Un truc qui transforme ta parade en attaque. Et ton super et les cartes en bas qui se remplissent toutes seules. Et dans cette situation, je trouve que le dash, ça reste le plus utile. Ça fait que justement, t'es invincible pendant les dashs. Et moi, je trouve ça génial. Super. Et maintenant on remet ça. Great
Pourquoi les lives sur Twitch pas sur YouTube? Parce que je n'aime pas la manière dont sont gérés les lives sur YouTube. Twitch est nettement plus simple et nettement moins prise de tête avec les lives. Les lives sur YouTube, pour moi, c'est terminé. Plus qu'un. Oh yeah, 3,59. Ouais bon, note de merde, je m'en fous. C'est plus, je prends. Alors je pense pas qu'on ait le temps de, sans mauvais jeu de mots, tenter le diable aujourd'hui. Et merci pour vos GG dans le chat. L'ultime niveau est ouvert. Regardez juste cette liste. Et on les a pas tous fait, mais voilà. Par contre, pour le diable, je vais changer déjà mon équipement. Ça et ça, ouais. Alors avant, on va aller faire deux choses. D'abord, on va aller voir combien de fois on est mort. Et ensuite, bon, 10 minutes, je pense pas qu'on ait le temps de faire beaucoup de choses du côté du diable. Non, voilà. Oui, voilà, c'est vrai qu'au pire, si vous voulez, vous pouvez dire dans ton cul boss, mais en minuscule cette fois. Alors, Franval, j'ai vu des vidéos du combat. Mais entre voir les vidéos et l'exécution, c'est pas génial. Et sinon, tu vois, c'est parce qu'il y a un let's play sur Portal 2 qui va commencer dès demain. Donc j'enregistre des épisodes. Donc vous vous souvenez, on était à combien de morts avant ça? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le nombre de morts avant qu'on ne commence King Dice? 486. J'ai dû beaucoup recommencer, je crois. C'est bien que ça fait seulement 13 morts. Eh ben, dis donc. 13 morts seulement. J'ai dû beaucoup recommencer, je crois. Bon. Alors, je pense pas qu'on ait le temps de faire beaucoup de tentatives. Mais au moins, on peut aller dire bonjour au diable. Ça, c'est sûr. Mais ça, on est d'accord que les retries, c'est pas inclus. Donc, j'ai vraiment dû faire beaucoup de retries. Bon, avant qu'on rentre dans le niveau du diable, faut que je vous révèle un petit truc, les gens. Dans ce jeu, il y a deux fins. Une bonne et une mauvaise. Vous savez quoi? Pour conclure ce live, je vous propose de vous montrer la mauvaise fin du jeu. Et on gardera la bonne et le combat final pour le 21. Ça vous va? Ceci étant, nous allons quand même entrer dans le niveau du diable. One Hell of a Time, qui est également... La musique de ce boss, c'est également la musique que j'ai décidé d'utiliser pour les intros de chaque épisode du Let's Play Cuphead, sauf que c'est une cover métal. Donc c'est parti. Il me semble qu'il y a une cinématique. Ouais. Ah. Tu vas l'avoir, tu premier coup. Ce serait bien, Brian, ce serait bien. Mais en tout cas, merci pour les beats. Bien, bien, bien. Regardez jusqu'où vous êtes arrivés. Non seulement vous avez battu mon bon rien de la Kating Dice, mais en plus, je vois que vous avez mes contrats d'âme comme convenu. Donnez-les-moi et rejoignez mon équipe. Le diable veut qu'on rejoigne son équipe. C'est ce choix qui va déterminer la fin du jeu. Savez quoi? Pour la mauvaise fin, il faut accepter. Vous êtes à moi maintenant, et on va bien bien s'amuser ici. Voilà, la mauvaise fin de Cuphead. Cuphead et Mugman complètement corrompus par le diable. Et nous sommes devenus c'est laquelle à la place de King Dice. Et on a le générique de fin. Notre sincère appréciation aux membres de notre équipe dont la loyauté et les efforts créatifs ont permis cette production.
Voilà, donc créé par les frères Chad et Jared Moldenhaur. Bon, on va pas dire tous les noms, mais... voilà. C'est pas la bonne fin du jeu, puisqu'il nous reste encore un boss à battre. Mais je voulais au moins vous montrer ça pour aujourd'hui, comme ça... Enfin, je voulais au moins vous montrer ça avant d'aller tataner le diable. Ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va laisser... Voilà, c'est ça, exactement. Le pacte avec le diable, c'est exactement ça. Voilà, donc je pense qu'on va laisser le générique défiler. Et du coup, on va garder la surprise du combat du diable pour le prochain live Cuphead. Qui devrait être le 21, normalement. C'est la fin utilisée par les speedrunners. Ça dépend de quelle catégorie, Johan. Les speedruns any percent, oui. Mais les speedruns 100% all boss ou all flags ne l'utilisent pas. Pourquoi ? Parce que all flags, il faut qu'il y ait un drapeau à côté de chaque niveau. Donc, il faut avoir terminé le niveau. Ce qui veut dire qu'il faut aller battre le diable. Le run all boss... Ils font tous les boss du jeu et ça inclut même les 9 boss dans le boss rush de King Dice. Et le 100%, bon bah c'est vraiment tout faire. A noter que depuis le début, on fait le 100%. Hein. Je veux dire, on a battu tous les boss, on a fait tous les niveaux, on a récupéré toutes les pièces. Quand on aura battu le diable, j'espère qu'on arrivera à faire ça le 21, on aura normalement sur notre fichier de sauvegarde, il devrait y avoir un joli 100% qui s'affiche. Qui sera quand même un sacré achievement, mine de rien. Par contre, c'est moi où il n'y a pas de musique ? Que vous pouvez me confirmer qu'il n'y a pas de musique. Ça, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas. Mais bon, voilà, on passe ça en mode tranquillou, poète-poète. Il était vachement rapide le combat, tu m'étonnes, Sharky. Ouais, on est d'accord, il n'y a pas de musique. Ok, c'est un peu bizarre. Alors, en même temps, je me demande si c'est pas pour donner l'impression qu'on a fait le mauvais choix. Genre, la musique, c'est censé célébrer, du coup, t'as fait le bon choix. Le 100%, non, faut pas le faire en... Non, non, parce que le 100%, tu peux le faire... Le 100%, tu peux le faire en pas expert, tu peux le faire dans toutes les difficultés, tu peux le faire en simple, en regular, en expert. Et Thio, si, quand tu fais le all boss, tu fais les mini-boss de King Dice. En tout cas, j'ai regardé le record du monde de la... Alors c'est peut-être pour le 100% du coup. Mais je sais qu'il y a une des deux catégories qui fait tous les mini-boss de King Dice. J'ai regardé les vidéos du record du monde et le mec les fait. D'ailleurs, les mecs qui font ça, c'est des ouf. En fait, tout ce que j'ai vu, ils jouent sur des anciennes versions. Et ils ont le tir en cloche et le tir boomerang, et ils alternent sans arrêt, et ils spamment. Mais la plupart des boss, ils tiennent même pas 30 secondes. Du genre, le robot. Je crois que le record du monde du niveau du robot, il a genre 18 secondes. Nous, on a mis 1h18. C'est deux poids, deux mesures à ce niveau-là. Par contre, est-ce qu'on peut accélérer à micro-poil le générique ? Ouais, ok, maintenant à enfoncer, on peut accélérer le générique. C'est bon à savoir. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme Undertale, il y a plusieurs fins. Là, on a fait la mauvaise. Et on fera la bonne quand on retournera dire bonjour au diable. Là, on ira lui tataner le pimpon pour de vrai. Puis comme ça, c'est bien, ça laissera... Ce qui est bien, c'est que le live sur le diable, ça fera une vraie idée de progression. On part, on connaît pas, et puis on arrivera par le battre. Et puis ça a été fait avec Unity, cette pimponnerie. Hein, quand tu vois tout ce que tu peux faire avec Unity... Déjà, rien que pour le Ludumdor, la plupart des jeux, ben ils sont faits avec ça, puis ils ont réussi à faire Cuphead avec ça. Ça a dû être un boulot de ouf qu'ils ont dû faire, les frérots, hein. Bon, fin, évidemment, la mauvaise. Évidemment. La mauvaise fin. Et...